Salut à tous, on est bien, il fait beau, on a une belle ambiance, ça s'annonce parfait ce match de foot que nous allons suivre avec vous et nous aurons, Pierre Ménès et moi, le plaisir de vous commenter cette rencontre. Ces deux nations qui se retrouvent en match amical, l'occasion pour elles de voir où elles en sont un petit peu avant les vraies échéances. Ah, ça promet quand même du spectacle, hein, Pierre. Je sais pas vous, mais moi je pense qu'on va avoir un super match. Une composition d'équipe qui ne laisse planer aucun doute. On va chercher à presser, presser, presser pour récupérer un maximum de ballons. Et pour bousculer l'adversaire en permanence, surtout, c'est important de savoir quoi faire quand on a le ballon, mais c'est aussi de bien jouer dans cet esprit-là quand on ne l'a pas. Hervé, t'es scorpion, c'est ça, je crois. Hein. Ouais. Scorpion, c'est ça, pourquoi? Comme ça devient. Non, pour rien, pour savoir, parce que moi je suis cancer. Ouais, c'est bien. C'est pas terrible le match quand même là. Hein. Non, c'est pour ça qu'on parle d'autre chose. Voici donc l'équipe visiteuse alignée. On va pas se mentir, Pierre, le style de jeu de cette équipe, c'est quand même relativement peu apprécié, ça manque d'ambition, ça manque de technique, c'est pas terrible quoi. Ouais, si t'aimes pas les équipes qui jouent chez l'adversaire, qui pressent le haut, qui tentent des trucs en attaque, au risque de se découvrir parfois, alors cette équipe a des chances de te plaire. Ouais, moi je suis pas très client. Allez, Reza Yarmbakhsh. Ah, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Il tacle. On cherche des solutions là. Ils veulent faire bouger la défense. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Ouais, bien joué le gardien. C'est jamais facile de gagner ce genre de duel, mais il irait bien rester sur ses appuis. Il faut venir l'aider parce qu'il est sous pression. Il perd de la balle. Ah, il progresse bien là. Ça circule bien aux abords de la surface. Omar Alsoma, l'ouverture du score, alors qu'on sortait à peine du round d'observation. On le voit ici, le centre est très bien donné. La suite se passe de commentaires. Le volet est juste splendide. C'est donc l'ouverture du score, 1-0.
Allez, touche. Il essaye en louche un petit peu. Ça part au deuxième poteau. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ouais, coup franc bien sûr. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Saman Golos. Il porte le ballon. Ouais, attention, là, il s'échappe en solitaire. Au gardien dans ce face-à-face. Qu'est-ce que c'est bien joué de sa part. Il a bien fait. Ouais, bien tiré ce corner. Mauvaise relance. Attention, il y va tout seul. Ah, c'était dans la surface et c'est donc un pénalty. Elle va coûter cher cette faute parce qu'elle va permettre aux adversaires peut-être d'égaliser. Et l'arbitre qui a désigné le point de pénalty et qui va sanctionner le joueur fautif d'un carton jaune. Ouais, ouais, pour moi c'est bien arbitré, il n'y a rien à dire. C'est dedans, sans trembler. Ah, le pénalty qui est donc transformé, on le revoit. Le gardien aurait peut-être dû attendre un peu avant de bouger. Mais là, c'était trop facile pour le tireur. Et ils égalisent donc un but partout. La passe est coupée et bien défendue. C'est un ballon qui sort en sortie de but. On revoit comment ce but égalisateur a été marqué. Penalty surpuissant qui est venu frôler le menton gauche. Allez, Reza Yarmbakhsh. On assiste à vraiment un regroupement défensif, hein. C'est très net. Il donne par-dessus.
Hors-jeu, il est parti trop tôt. Ah, parti trop tôt, là. Parce qu'il attendait la passe plus tôt aussi, hein, ça, faut le dire. Ce ballon qui est récupéré. Omar Alsoma. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Ah, l'arbitre assistant qui a levé son drapeau. Ah, il y avait un boulevard devant lui, c'était trop beau. Saman Delos. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah, c'est pas posé de question, il a dégagé ce ballon. Omar Alsoma. Cherche une solution là. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. L'occasion de prendre l'avantage. Ouais, il repousse, ça joue. Encore une bonne passe. Bien donné encore une fois. Ça part bien, action dangereuse. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Est-ce qu'il va centrer? Il faut trouver l'ouverture. Oui, idéalement servi, attention. Et bien voilà, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Oui, rappelons que c'est un match amical. On va voir si le rythme change en seconde période. Et puis surtout, si les sélectionneurs vont faire tourner. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment. Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. Ouais, 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non ? Allez, encore une passe. Ah, ils ont peut-être voulu trop en faire, là. Attention, la petite passe lobée. Et ils sont à la récupération. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ouh, c'était extrêmement dangereux, très bonne intervention. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Allez, ils vont jouer la touche. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ?
Voilà, faute de ballon devant. Il revient un petit peu pour toucher ce ballon un petit peu plus bas. Oh, dommage cette faute. Ça va donner un bon coup franc. Attention à ce coup franc bien placé qui pourrait faire la différence. Et le gardien qui peut se saisir du ballon sur ce coup franc. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ah non, pas cette fois, là, le ballon est perdu. La touche, le ballon a été dévié. La passe est coupée, bien défendue. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. On applique sans doute une consigne, mais en tout cas, ça joue très très bas. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Il perd la balle. Ça va de l'os. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. On cherche des solutions là. On a Alsema. Et cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Le joueur est en confiance, il a déjà marqué, il a raison de tenter. Hein. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. La tête et le ballon qui sort en touche. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Allez, il faut centrer. Oh, il a pris un gros risque en taclant comme ça dans la surface. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. On s'approche de la zone de vérité. Il va y aller sans danger pour le gardien qui accompagne ce ballon du regard. Il progresse. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Ce sera un corner et ça peut permettre à cette équipe de virer en tête si elle marque. Attention. Ah,
un seul banc de touche. On a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Attention à ce corner. Et ce sera finalement pour le gardien, tranquillement. On en reste à ce score de parité pour l'instant, alors que le coup de sifflet final se rapproche. Ah, c'est un moment décisif, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Omar Alsoma. Encore une bonne passe. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse. C'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. On est dans le money time, hein. Le match se joue maintenant. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ça, c'est bien vu. Sans danger pour l'adversaire. Et les supporters qui font savoir assez bruyamment à l'arbitre qu'il aurait dû accorder un pénalty à leur équipe. Il perd ce ballon. Allez, Reza Yarmbakhsh. Ils attaquent, une belle occasion de mettre la main sur le match. Alors, match nul à l'issue des 90 minutes. Est-ce qu'on va en rester là ou pas ?